J'avais un ami d'enfance, il s'appelait Omar. Il envoyait tout le temps de l'argent à sa famille. Il a reconstruit la maison de ses parents. Tous les gosses du quartier l'enviaient. Certains ont fait comme lui. On me traitait de lâche, de vaurien, parce que j'ai refusé de faire comme eux. Je me débrouillais dans mon petit commerce. J'aidais ma famille avec le peu que je gagnais. J'avais une copine. On allait se marier et fonder une famille. Même quand ils donnent 100 000 francs par jour à la famille, à leurs yeux, c'est moins important que la personne qui envoie 10 000 francs étant là-bas, en Europe. C'est plus une fierté pour eux de dire que leur fils est en Europe. En plus de mes économies, mes parents se sont endettés. J'étais donc forcé de partir. J'ai fermé mon commerce. J'ai fait comme tout le monde. Je suis parti. Un bon matin, les guides sont venus nous embarquer dans une voiture. On était 40 dans une Land Rover pour traverser la frontière. Quelqu'un est tombé. Le chauffeur a continué. On a crié. Il n'a pas freiné. On était au milieu du désert. L'homme est probablement mort. Pas loin de la frontière libyenne. Là-bas, un autre groupe nous a embarqués et on a continué à pied pour traverser. Un compagnon a eu un accident sur la route. Il n'arrivait plus à marcher. Il n'était pas mort, mais les passeurs ont osé dire de le mettre sous terre. Mais on ne pouvait pas les contredire, parce qu'ils avaient leur fusil braqué sur moi. Donc on a creusé un trou pour le mettre dedans. Il pleurait et nous disait, vous voulez m'enterrer alors que je ne suis pas mort? Moi aussi j'ai pleuré, parce que je n'avais pas l'intention de le faire. Mais si on ne l'avait pas fait, on serait morts nous aussi ce jour-là. C'est pour ça qu'on l'a mis sous terre et on a continué la route. C'est comme ça. Une fois en Libye, ils nous ont abandonnés pour fuir. Nous sommes arrivés à Tripoli. Il y avait même des enfants armés de Kalach qui nous menaçaient de te tuer à chaque fois que tu les désobéis. Tu comprends en ce moment que tu as quitté un enfer. Tu es venu dans un deuxième enfer. C'est là qu'on m'a arrêté et mis en prison. Au bout de 9 mois de prison, donc on m'a dit de payer l'argent. Quand on te met en prison, il faut que tu payes l'argent. Mais si tu n'as pas, on te donne un téléphone. Il faut appeler quelqu'un qui va venir payer. C'est là, ils ont commencé à me frapper. Parce que je n'avais pas d'argent et personne pour payer. En prison, il y a des gens qui viennent, ceux qui les plaisent, ils vont essayer de les prendre et les amener chez eux. Ils étaient donc obligés de les satisfaire sexuellement. Soit tu le fais, soit
soit tu préfères la mort. Dès que tu arrives dans un pays dont tu ne connais ni la langue, tu ne connais rien, tu ne sais pas si on te vend ou pas, parce que tu ne comprends rien de ce qu'ils disent. C'est comme ça, on a été vendu à un vieux monsieur et son fils. On était obligé de coucher avec lui et avec son fils, autant qu'ils veulent, la manière qu'ils veulent. Tu ne peux pas fuir parce que la nuit on t'attache. Il y a des ferrailles comme ça, il y a des chaînes en haut. On te déshabille, on t'attache tes mains. On se met à te taper tous les jours si tu désobéis à une seule chose. Ils tuent tes amis devant toi. Tu ne peux pas riposter, ni parler, ni leur dire d'arrêter, ni de leur dire de ne pas faire ça, parce que tu n'oses même pas parler. Il y avait un anglophone qui était avec sa femme. Ils l'ont forcé sa femme. Ils sont couchés avec sa femme. Quand l'homme a riposté, ils l'ont sorti des gros bâtons pour le battre avec sa femme. Elle était enceinte et elle est morte. Ils l'ont tué devant moi, mes amis avec qui je suis venue ensemble sur la route. Je peux arrêter un peu. La vie de la Libye était un enfer terrestre. Chaque jour que Dieu fait, c'est des coups de feu. Ça tire et ça tue. Quand un Libyen tue un noir, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Quand il t'achète, il te donne une Kalachnikov. Si tu n'as jamais tiré, il te la prend en une ou deux heures de temps seulement. Et c'est fini, tu es devenu un soldat de leur camp. J'ai beaucoup de compagnons de route et d'amis qu'ils ont transformés en soldats comme ça. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ils sont toujours vivants ou morts, je n'en ai aucune idée. Donc c'est un voyage qui n'a pas du tout été humain. C'était purement inhumain. Des points de lancement, il y en a beaucoup. Sur toute la côte libyenne qui donne l'ouverture sur les eaux internationales, on peut citer Zabrata 1, Zabrata 2, Tadjoura 1, Tadjoura 2. Il y a d'autres, il y en a plein. Même quand tu payes, tu sors de la prison de Misrata ou bien au niveau de Tripoli. Mais quand on vous amène, c'est encore une forme de prison. Là-bas, dès que vous arrivez, vous allez trouver des personnes encore qui sont dépourvues de santé, qui ont la peau sur les os, c'est-à-dire ils sont carrés, ils ont maigri totalement comme si ce n'était pas des êtres humains. Ils sont là, ils ont fait des mois. Il y a chaque jour que Dieu fait, il y a au moins 5 cadavres comme ça qui sortent de ce coin de lancement. Ce coin de lancement, c'est des endroits où ils ont fait des gros trous et vous êtes là-bas et on place des conteneurs sur vous. Vous êtes à l'intérieur de ce trou. L'eau de mer, c'est ce que vous consommez. Quand ils viennent ouvrir un peu pour qu'un peu d'air entre et jette des pains sur vous. Le temps qu'ils soient satisfaits totalement de la somme qu'ils doivent recevoir. Dans ce point de lancement, c'est-à-dire les filles qui sont avec nous, dans les mêmes trous,
Ces filles sont comme des objets sexuels pour les chefs. Maintenant, c'est ces sous-chefs qui surveillent les différentes concentrations. Ces sous-chefs, c'est chargé de prendre des garçons comme femmes et il faut les sodomiser. Et j'en ai mis du temps à m'y remettre. Je ne suis pas remis totalement, mais au fur et à mesure, les souvenirs me reviennent et je prends conscience un peu du danger et des dégâts qui se sont passés dans ma vie. Presque 900 personnes qui se trouvaient dans le même trou. Et ces 900 personnes, il n'y a seulement que 800 combien qui a été lancé. Et il y a seulement que 600 quelque chose de personnes qui ont été retrouvées. Les autres personnes n'ont pas été retrouvées du tout. Okay.